de Elul ressemble. Le mois de Elul ressemble à une parabole que les Chachamim, les sages, nous ont appris. Et Rabbeinu, il a rajouté un peu de lui dans la parabole. C'est quoi la parabole? La parabole, c'est comme quoi à Kadosh Baruch Hu, le mois de Elul, il descend vers nous. Ça veut dire quoi, il descend vers nous? On raconte que ça ressemble à un roi qui est dans son palais et que pendant toute l'année, il fait ses travaux, il fait ce qu'il a besoin de faire. Maintenant, si quelqu'un veut voir le roi, il doit appeler, prendre un numéro, être couvé à une guicha, fixer un rendez-vous. Et peut-être il est reçu, peut-être il n'est pas reçu, ça dépend. Pas tout le monde peut être reçu. Un clochard qui prend un rendez-vous, il n'est pas reçu chez le roi. C'est que les gens les plus importants, les gens qui ont de l'argent, les gens qui ont des cadeaux à donner à un roi. Alors eux, s'ils appellent, peut-être qu'ils reçoivent un rendez-vous pour dans un an, dans deux ans. Parce que le roi, il est très très occupé, il a des choses à faire. Ça, c'est pendant toute l'année. Mais il y a une période pendant toute l'année où le roi, il dit comme je suis le roi de tout le monde, pas que des riches et pas que des gens importants. Alors, il faut que je sois aussi avec les gens, les simples. Alors, pendant les nécessiteux, les simples, les gens qui sont clochards, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'il fait le roi? Pendant une période dans l'année, pendant un mois, il enlève sa cape, il enlève sa couronne, il sort de son palais. Et il va habiter avec toutes les personnes. Chaque nuit, il va dormir chez quelqu'un d'autre. Et là-bas, il va voir les gens clochards. Et pendant ce mois-ci-là, le roi, il appartient aux clochards. Maintenant, si un riche veut venir parler avec le roi pendant ce temps-là, le roi lui dit, dégage. C'est pas ta période, c'est pendant toute l'année. T'as 11 mois dans l'année à me voir. Et tu vas pas me voir maintenant. Maintenant, je vais partir avec qui? Aux clochards. Aux petits gens. Mais attends, c'est que les clochards. Moi, j'ai affaire que avec des clochards. Tous les clochards qui veulent, ils viennent, ils me prennent. Maintenant, les gens riches, les gens importants, même que je suis un roi, je ne vais pas les prendre. Le mois de Elul, à Kadosh Baruch Hu, pendant toute l'année, il a affaire avec plein de choses. Mais pendant un mois dans l'année, à Kadosh Baruch Hu, il dit maintenant, je veux avoir affaire qu'avec les plus nazes. Tous les fauteurs. Je m'occupe d'eux. Et je vais voir comment ils vont, qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qui se passe pas. Maintenant, si un très grand tzaddik qui veut voir le Kadosh Baruch Hu pendant cette période, Dieu lui dit, écoute-moi mon ami, t'as 11 mois à venir chez moi. Ce mois-ci-là, je suis que pour les pauvres. Je suis que avec... Pour les petites gens, pour les amarettes. Que avec les nuls. Que avec les fauteurs. Ce mois-ci, c'est le mois des fauteurs. Et l'histoire, la plus belle encore, c'est que, en vérité, comment ça se passe? En vérité, ça se passe comme un homme qui tient une boîte. D'accord? Il y a un cahier. Dans ce cahier-là, il y a le bilan de tout, des rentrées, des sorties, des dépenses, des choses qu'il a dû investir, de tout ce qui se passe, tout le cahier de compte. Maintenant, les gens, les nuls, ce n'est pas des gens qui viennent mettre des sommes grandes. C'est des gens qui viennent mettre 10 shekels et qui gagnent 20 shekels. Alors, pendant toute l'année, alors eux, on n'a pas besoin d'écrire ça dans le livre des comptes. Normalement, dans un livre de compte, on écrit les grandes rentrées, les grandes sorties, les grandes dépenses. On ne va pas écrire 3 shekels pour un verre de café, 20 shekels pour un truc de téléphone, on va pas écrire ce truc-là. On écrit juste les grandes dépenses. C'est pour cela qu'en vérité, le roi il doit descendre vers nous parce que nous, tout ce qu'on fait, c'est même pas inscrit dans le livre des comptes. Même pas inscrit dans le livre des comptes, tout ce qu'on fait. Tellement c'est tout petit, tellement c'est tout nul. Et c'est quoi la beauté des choses? C'est que parce que c'est pas inscrit dans le livre des comptes et que le roi il veut savoir chaque entrée, chaque sortie, même un shekel, c'est pour ça qu'il va se déplacer chez nous et lui, il va nous demander face à face, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce qu'il y a un honneur plus grand que ça? Il n'y a pas un honneur plus grand que ça. C'est que le roi lui-même, il tape à la porte. Il dit, mon ami, je sais que tes dépenses étaient... Je sais que tout ce que tu as investi chez moi,
C'est des choses qui sont rien du tout. C'est pour cela qu'on ne les a pas inscrits dans mon cahier. Et c'est pour cela que je viens vers toi pour te demander. Mais je veux te demander combien tu as, en sachant que c'est rien du tout quand même. Et alors s'il lui dit j'ai fait 50 chèques, j'ai pris 100 chèques, ça veut dire j'ai investi un tout petit peu. J'ai fait un peu ça. Ça c'est un honneur de dire devant le roi et que le roi il l'apprend. Parce qu'il sait que ce qui va aller c'est pour des petites choses, pas pour des grandes choses. Donc il tape pour entendre de la bouche de la personne qu'est-ce qu'il a fait pendant toute cette année. C'est pour cela que, des deux côtés, parce que c'est tout petit, mais quand même, parce que c'est tout petit, on a quelque chose d'immense. Alors Dieu nous consacre quand même un mois pour nous, pour voir s'il ne laisse pas tomber. Quoi. Jamais. Et encore plus que ça, les tzadikim, ils n'ont pas, le mérite que Dieu vient voir eux. Ça, ce mois-ci, c'est Dieu qui tape à notre porte et qui dit, mon ami, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui cette année pour moi? Quoi, c'est un honneur, en fait. C'est un honneur, parce que c'est le roi. Hein? Non, parce que, c'est le roi lui-même qui vient chez toi et qui te réclame qu'est-ce que t'as fait. Les tzadikim viennent le voir, mon roi. Les tzadikim, eux, pendant toute l'année, ils doivent prendre un numéro et va savoir quand ça va aller, quand ils vont venir et quand ils vont plus. Comment c'est pas une bouchée, en fait, de dire un tout petit truc. Non, mais on sait déjà que c'est un tout petit. Et la preuve, c'est que c'est lui qui vient chez moi. Donc on sait que c'est petit. Ça, on sait qu'on est d'un niveau bas. Elle m'a l'air. Quand le roi, il se déplace jusqu'à chez toi pour te dire, s'il te plaît, mon fils, dis-moi ce que tu as fait pour moi, c'est déjà un honneur. Il vient pas pour te punir. Et quand toi, tu peux être méfaret, ce que tu as fait, qui te dit, c'est bien, c'est un grand honneur. Que le roi, il se déplace chez toi pour savoir, qu'est-ce que tu as fait pour moi. Alors, attends, on n'a pas encore terminé. Maintenant, l'histoire, elle se fait autrement. Et là, Rabbeinu, il nous apprend la grandeur de tout. Il y a un homme comme ce que tu viens de poser la question. Alors, d'accord? C'est quelqu'un, il vient, il se dit, ouais, moi, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien foutu toute l'année. Alors quoi? T'as fait emmener le roi chez toi à la maison. Le roi, il te dit, qu'est-ce que t'as fait? Tu lui dis, je sais pas, je suis un raja, je sais pas. Le roi, il se pose, attends, je viens jusqu'à chez toi, là. J'ai enlevé ma carte, mon truc. Tu me dis qu'est-ce que t'as fait? Je dis, attends, je l'ai, mais c'est de l'orgueil. Mais il n'y a pas plus pire que ça, c'est pas l'orgueil. Il n'y a pas plus pire que ça. Ça s'appelle le moret de malchut. Ça s'appelle de faire honte au roi. C'est la honte la plus grande, c'est l'humiliation. Ah, et nous, on fait ça tout le temps. On croit que c'est n'arrête pas ça. De faire ça à ma pitom. Ah, moi, je suis professionnel de ça. Bien sûr. Nous tous. C'est un savoir. J'ai rien fait, j'ai rien fait. Moi, j'ai toujours dit, j'ai fait beaucoup. C'est comme ça. J'arrête pas. Ça va. Rabbeinu nous demande de savoir chérir nos actions, d'apprécier, de faire attention à chaque chose qu'on fait, chaque bracha qu'on fait, quand on boit, quand on mange, quand on va aux toilettes, quand on dort comme un juif. On a une kippa sur notre tête, on a des péotes. On a une barbe. On peut en deux secondes la couper et repartir en France et faire y kiffer. On peut. Eh ben on c'est reste. C'est plus facile de faire ça que le reste. Ouais. Et quand même on fait et on reste et on galère. Et on a des problèmes, on dit peut-être ça va aller mieux demain. Ouais. Et si c'est pas demain, alors dans un mois, ou alors dans un an, ou alors dans 10 ans. Dans une minute. Tout jamais. Mais quand même on espère. On espère quand même. On espère quand même. Et le roi, sachez mes amis, que c'est pendant Elul que ça se passe. Il est dans le sacré. Dans le mois d'Elul, il va se passer que le roi va venir vers vous. Je sais pas c'est quand. Peut-être c'est déjà fait. Mais en tout cas, ça va se passer. Mais c'est tout le temps, il est dans le sadé. Il n'y a pas marqué là-bas qu'il est non, là. À Elul. Non, tu à ressens qu'il est dans le sadé. On est quoi là? Elul. Mais tu ressens quelque chose. Il est dans le sadé, qu'il est dans le trait. Tu ressens quelque chose. Que quand quoi quand il te tu peux avoir mal au dos, tu peux. Exactement. J'ai pas compris, répète. Que Dieu vient vers toi et qu'il te demande, il te pose des questions, vas-y. Ah, ça peut être ça. Ouais, ça veut dire que c'est des choses qui se passent. La jambe, tu as mal au machin. Ça se manifeste de différentes manières, ou dans le bien ou dans le mal, mais ça se manifeste. Non, mais c'est pas le mal. Il s'occupe de toi. Et non, mais l'homme, il peut avoir mal, comme il dit, une douleur de dos, par exemple. Mais c'est Idam Vehistor, ça veut dire que ça se manifeste pas dans le mal. Tout le lien de Elul, c'est que le roi, il peut venir te voir, il peut te faire des hontes aussi. Ah oui. Mais attends. C'est à ça qu'il va arriver. On s'en marche. Le roi, il vient le mois de Elul. Le roi, il vient pendant le mois de Elul et il va nous poser la question. Mon cher fils, raconte-moi ce que tu as fait cette année.
Et toi, tu vas lui siffler, tu veux une cigarette, tu parles, chien, si tu fais ça, eh ben, ras le shalom, t'as un grand problème parce que le roi, il va pas ouvrir les livres parce que c'est écrit nulle part. C'est ce que tu dis de ta bouche, c'est ce que c'est. Ce qui va te juger comme ça. Donc tu te juges toi-même. Imagine-toi, tu te juges toi-même. Wow. Eh ben voilà, c'est les temps. Imagine-toi, t'as fait des choses et tu dis j'ai rien foutu. Eh ben tu t'as rien foutu. Ça veut dire que toute notre vie de doute, elle doit être que sur ça maintenant. Que Azamra, de chercher. J'ai fait ça. De chercher et de dire regarde le sroute et le mérite de chaque pensée de chaque juif. Regarde ce qu'il a fait ce coup-là. Regarde ce que j'ai fait. Regarde combien on t'aime. Alors attends, on arrive. On fait ce qu'on peut. Ça, c'est le mois de. Même plus. Mais j'arrête pas de prier pour toi. On a bien commencé quand même la Sikha Traverim. Alors qu'on a dit c'est super, qu'est-ce qu'on a fait. On va revenir avec des choses et on a fait des choses. Bon, Hachem. On va revenir, on va avec quelque chose. Et toi, t'as pété le plan, t'as ça. Tu vois cool. Il dit ouais, vous êtes pas assez fort, machin, tu es parti de colère. C'était pas Elul encore. Mais si, comment ça il est en avance sur toi, peut-être. Non, mais j'ai dit pas. Tu es revenu. Ah. Non, je sais. Alors, c'était plus fort que tout. Non, ça c'est. T'as du grand. Et après, j'ai pensé que du bien de vous tous. Je sais, t'as été grand. Toute la semaine. Non, mais je lui ai dit à lui. Non, mais. Toute la semaine. Mais c'est ça, voilà. Tu voulais. Bah, il a eu, en tout cas. Tant mieux. C'est dans le ciel qu'on a voulu comme ça. Hein. Ça, ça fait bouger les choses, en tout cas. Ouais, ça a fait bouger. Il faut te remercier à HM qui nous a aimés. Hein. Bah, tu vois que. Il faut dire, il faut faire, il faut machiner. Moi, j'ai fait. Ah, maintenant. Là, dans toute l'année, hein. Dans le mois, c'est tout. Hein. Ouais, tiens, pas moi qui vais commencer. Là, t'es viré, là. Et tu fais ça au mois de février, tu dis. Je suis pas assez riche. Il faut venir avec vos oreilles, avec vos oreilles comme ça pour que je t'écoute. Alors, qu'est-ce qui se passe alors quand il vient le roi et qu'est-ce qu'on fait? Alors, il nous humilie? Non, c'est nous-mêmes qu'on se humilie. Pas qu'on se humilie, c'est rien s'humilier. Ouais. C'est qu'on se décrète notre jugement. C'est nous-mêmes qu'on se dit, voilà, on est comme ça. Malheureusement, tout ça à cause de quoi? Parce qu'on est des râleurs et des grogneurs. Et on ne veut pas, savoir apprécier les bonnes choses qu'on fait. D'accord? Alors ça, déjà, c'est un commencement que je voulais d'abord vous expliquer. Que c'est... Ça, c'est de la gava, non? Alors, attends. Dans le mois, non. Dans le mois, non. Tu parles de quoi? Quand un homme, il se dit, j'ai tout fait? Non, l'inverse. Non, j'ai tout fait. Quand le roi, il vient te voir, il te dit, qu'est-ce que tu fais? Il te dit, moi, j'ai rien fait. Ben oui, c'est sûr, gare. C'est l'orgueil. Je vais t'expliquer ce que ça passe. Il dit, j'ai rien fait, ça veut dire qu'il... Alors, on rappelle nous parle puis, d'où vient... Qu'il a pas, que Dieu ne lui a pas donné, alors j'ai rien fait, puis c'est tout. Rappelle nous il nous dit d'où vient la racine des paroles comme ça, quand quelqu'un, soi-disant, il essaye et il n'arrive pas de faire la Avodat Hashem. Il croit qu'il n'arrive pas. D'où vient ça? La racine de tout, c'est quoi? Ça s'appelle deux choses. Kvod Elohim, Kvod Melachim. Il y a l'honneur de Dieu, l'honneur divin, et l'honneur royal. C'est quoi l'honneur royal? C'est notre honneur. Ça veut dire quoi? Nous, on se croit tous des rois. Et la preuve, c'est qu'on veut tout gérer, on veut tout faire ce qu'on a envie. On crie quelqu'un quand les choses vont pas bien. Quand il y a quelque chose qui n'est pas comme tu as envie, tu commences à déchirer, à dire « Oh, je veux que ça se passe comme il faut !» Et tu veux mettre ton point là où tu veux mettre ton point, tu veux investir là où tu investis. Si tu vois que les choses n'arrivent pas, ça n'arrive pas. Et même dans la voie d'attachem. Dans la voie d'attachem, c'est pareil. Ça, c'est des nouveaux qui viennent d'arriver. Dans la voie d'attachem, c'est pareil. Il y a des gens qui veulent soi-disant se réveiller à Hatzot, ils veulent se tremper au mikvé, ils veulent prier une belle prière et ils arrivent à rien faire. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à gronder. Pourquoi? Parce que c'est en fait... Ils sont remplis de eux-mêmes. Ils sont gonflés comme je ne sais pas quoi. Et ils veulent faire rentrer, soi-disant, leur personnalité dans le service divin. Mais qui tu es, toi? Mais qui tu es pour, soi-disant, venir avec tout ce que tu crois que tu es? Et tu veux ici venir dans des chemins que ça fait des mille ans que ces chemins ils sont en truc. Ouais. Tu viens, t'imploses, mais qui tu es toi? Mais d'où tu viens? Faut calmer. Oh, mais calmer. Mais oh! Et le pire des choses, c'est quoi?
C'est quoi le pire? Reste ton calme. Non, c'est que quand t'arrives pas, tu fais comme ce que t'as dit. Bien sûr. Ouais, ouais. J'ai rien fait, j'en ai marre, je sais pas. J'ai... Comme toi, tu as dit, ouais, je suis plus le même, je fais plus ce que je faisais avant. Voilà. Machin. Chacun se trouve, il a décidé d'allumer chacun. C'est marrant. Ça c'est toi, ça c'est toi. Bah, je suis, hein. Moi j'ai mal ici à la jambe. Je suis en train de prendre une tannée. Ah voilà, tu vas prendre une tannée. Tous les nuits, là je parle ainsi la nôtre. J'ai rencontré June. On a fait le mikvé ensemble. Et je vais te raconter une histoire avec lui. C'est après-midi, là. On était... Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais, tonton? J'étais dans la voiture, je descends. Je lui dis, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici, dans ma synagogue? Elle m'a dit, mais j'étais là avant toi, moi, je suis venu ici avant toi. Je dis, non. Bon, il voulait s'y aller avec moi pour venir pour moi. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, je suis venu arranger mes machins, là, je vais prendre mon migré. Je lui dis, bon, on va faire l'association, on va aller ensemble. Il m'a dit, mais pourquoi tu marches comme ça? Je lui dis, j'ai traîné. Rabbi Nachman, je sais pas, ou quelqu'un, il m'a fait glisser, j'ai traîné. Il m'a dit, mais tonton, c'est rien, tu vas prendre le mikvé froid, et on va prendre le mikvé froid, on va y aller, machin, tout ça. Presque en rigolant, il me disait ça. Et on va à la synagogue, on met les machins, tout ça, et il fait sa prière, il se lève, oh, il n'arrive plus à marcher, il a mal au dos. Ah, il vit. C'est la vie de ma mère, hein. Voilà. Et il me dit, oh, j'arrive. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait, tonton? Je dis, mais je t'ai rien. C'est moi qui ai niqué, t'es quoi? C'est toi qui. Il me dit, tonton, il s'en va, il est un peu machiné, il s'en va, il me retéléphone. Il me dit, mais tonton, mais qu'est-ce que. Tu sais pourquoi, Gemma? Parce que j'ai pas eu de la peine pour toi. Parce que je plaisantais avec toi, j'ai rigolé. Et Dieu, il m'a fait mal ici, où t'as mal? Dis-moi où t'as mal. Je lui dis, j'ai mal au dos. Il me dit, moi aussi. Et il veut se convertir, le mec. Je lui dis, mais c'est vrai. Tu me dis, il m'a dit, oui, parce que j'ai pas eu assez. Et j'ai rien dit de toi. Ouais. Jusqu'à maintenant. Ah, et Dieu, c'est quelque chose. Hein. Ouais. Ah, ouais, ouais, franchement. Que Dieu te bénisse. Donc, c'est quoi, en fait, le problème? On va appeler ça de l'orgueil, mais Rabbeinu il appelle ça de l'honneur. On se croit plus important que ce qu'on est. On se croit des mille et des cents, en fait on n'est pas comme des mille et des cents. On se croit très grand, on se croit fort, on se croit comme des sentiers, des meuleurs, des mais en vérité on n'est pas ce qu'on est. Des flèches. Des flèches. Et le problème c'est quoi? C'est comme tu te crois comme des flèches, comme en vérité t'es pas une flèche, alors tes actions vont être pas comme des flèches. Alors il va s'énerver. Mais pourquoi je suis pas une flèche? Mais il est fou le mec, mais t'es pas une flèche. Tu comprends pas que t'es pas une flèche? Il dit non, je suis une flèche et j'arrive pas. Mais parce que t'es pas une flèche. Et le mec il s'énerve. Mais toute notre vie c'est ça. Une flèche cassée. Toute notre vie. On essaie soi-disant de faire des travaux. On se prend des flèches et on voit qu'on n'arrive pas à faire comme des flèches. Et Dieu nous a montré que t'es pas une flèche. Et nous on est têtus, on est des flèches, on est des flèches. Mais t'es pas. Ils insistent. Ouais. Ils veulent pas comprendre. Ils reçoivent des coups. Ils ne veulent pas comprendre. Ça s'appelle Kvod Melachim. On a de l'honneur soi-disant royal, comme si qu'on est je ne sais pas quoi. Et à cause de ça, l'effet, c'est quoi le problème? C'est que quand ça va mal, et quand ça va mal, quand le roi nous frappe à la porte, on nous dit que c'est foutu, il me dit, je sais pas. C'est de la dépression. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas dire qu'il c'est pas une flèche. Il est énervé après le roi. Ouais, tu m'as mis des bâtons dans les roues, j'ai rien fait. Allez, ça va, tu le sais très bien ce que j'ai fait. Alors. C'est pas t'as mis des bâtons dans les roues. Si. Non. C'est pas Dieu qui a mis les bâtons, on pense pas ça. Mais non. Mais les mecs qui pensent comme ça, ils sont énervés après Dieu. Mais parce que par rapport à ce qui se prend. La personne qui se prend comme ça, il croit que Dieu lui a mis des bâtons dans les roues, qu'il l'a empêché d'arriver. Mais maintenant. Tu m'as pas ouvert les portes après tout ce que j'ai fait auparavant. Mais maintenant, reviens à son niveau vraiment. À son niveau vraiment, il est très bon. Il a les notes 100%, il a 10 sur 10. Dans son niveau anormal, il a 10 sur 10 parce qu'il a fait ce qu'il a pu. Mais parce qu'il se voit en fléchette, alors il a 0 sur 10. Ça veut dire en vérité, on est des tzadikim. Même dès que quelqu'un met son en flèche, c'est pas stable. Parce que une fois, il était comme ça.
Non. Comme lui, il a dit. Mais c'est sûr. Non, non, non. Dès qu'à quel chodov, tu vois, au début, ben, il est rempli de rois. C'est un cadeau, ça. C'est pas à toi. C'est pas un cadeau, c'est pas à toi, hein. C'est pas à toi. Mais toute la chose, c'est pas à toi. Hachem, c'est Dieu, il te fait montrer jusqu'à où tu peux aller. Ouais, c'est peut-être pas à toi. Alors, tu peux arriver là-bas. Tu peux arriver, mais t'es pas là-bas pour l'instant. Oui, tu le gardes. Pour l'instant, ça sert à qui elle fait comme ça. Il n'y a pas beaucoup qui. Tu dois savoir où tu te tiens. Tu peux pas dire, je me tiens là-bas et je me tiens là. Bah, tu peux pas simplement te mentir. Je t'ai montré le chemin, tu vas le faire tout seul. Et là, une personne, elle sent comment elle est, comment elle se sent. Elle peut pas se mentir à soi-même. Même si tu peux, d'accord, tu peux aller, tu peux faire. Il a la 100%. Jusqu'à un certain âge, tu sais ce que tu veux. Mais tu le vois bien quand tu étais à Tchouma. Tu sais pas. Combien les portes elles étaient ouvertes. Quand tu ouvres les portes, c'était une flèche. Tout passer, tout marcher, tout avancer. C'est pour ça que aussi maintenant tu veux être une flèche. Non, tu veux, mais arrête de te prendre. Tu veux, ok, et tu es énervé après Dieu. Tu veux, mais tu es énervé après Dieu parce qu'il te le donne pas. Donc quand il vient te voir, il te dit, mais pourquoi alors, qu'est-ce que t'as fait? Tu dis, oh, bah, j'ai rien réussi. Tu le sais très bien, hein, va. Ouais, c'est à cause de toi, Kaviyachol. Tu vas tout enlever. Alors qu'est-ce que tu veux? Je peux rien faire maintenant. Voilà, alors j'ai rien fait. Et c'est même pas vrai, t'as fait. Non, mais je suis pas d'accord avec toi quand même. On dit pas comme ça à Dieu. C'est nous, on croit que c'est nous-mêmes qui n'avons pas fait quelque chose. Ça, c'est quand t'es dans le chemin. Ça, c'est de l'autre côté. Ça, t'es encore de l'autre côté. Toi, tu en veux en faire plus. Toi, tu veux en faire. Exactement, bravo. Toi, t'es du côté, je voudrais en faire plus. J'en ai fait beaucoup, mais je veux en faire plus. J'ai pas réussi à faire le top. Et là, t'es dans le côté opposé où le mec, il fait rien. Je vais mener tous les autres avec moi parce qu'ils dorment. Et le mec qui fait rien, bah ouais, c'est vrai. Et là, c'est l'autre côté opposé. Moi, je fais rien. Je fais rien et je peux. Et parce que je fais rien et que j'aurais voulu en faire un petit peu, que j'aurais voulu que Dieu y mette. Alors voilà, voilà, tu le sais très bien. C'est toi qui m'as mis. Ouvre-moi les portes. Et je suis énervé. Même le peu que j'ai fait, je te dis pas parce que ça vaut rien, puisque c'est tout petit. Comment mais moi, j'arrive pas à comprendre que Dieu il m'a laissé faire ce tout petit là et que c'est important à ses yeux. Donc c'est une grande gave. C'est une grande gave. Hein. Parce que si j'avais pas de gave, je croyais que tout venait de Dieu. Alors ce petit peu, je dis voilà, Hachem, ce que j'ai réussi à faire, tel ce que j'ai pu t'apporter comme corban, j'aurais tellement voulu faire plus, mais c'est ce que j'ai pu faire. Alors là, bah, t'as tout gagné quand même. Baral, c'est pas nous qui gagnons. C'est le patron. Tu te soumets. Bien sûr qu'il faut se soumettre. Des fois, il me fait des grosses pattes à moi. C'est sûr qu'il faut se soumettre. C'est pas terminé pour toi non plus. Je sais que c'est pas fini. Mais tant qu'on a les croche-pieds, c'est qu'on est en main. Ouais, non, oui, certainement. C'est qu'on est en main. Bien sûr, c'est tant que celui qui crie d'un côté, qui crie de l'autre, après HM, l'autre qui crie sur les hommes, l'autre qui crie après lui. La première fois que j'étais au Mans, j'ai vu les mecs pleurer là-bas dans les tombes. Ah, ils m'ont fait pleurer. J'en ai vu tellement. Ah ouais, il y en a beaucoup. Mais alors, heureusement qu'il y a ça. Hein. Parce que moi, on serait tous des sauvages. Et bien sûr, on serait. Où on serait? On serait. Peut-être un tueur. Ça, des bêtes féroces. Ouais, bêtes féroces. Bien sûr. Il nous a calmés complètement. Il nous dit Oh. Calmos. Mais on le voit bien qu'on est pris en charge en plus. Parce que celui qui crie après Hachem, il regrette d'avoir crié après Hachem. Celui qui a crié après lui-même. Il regrette d'avoir crié après lui, celui qui a crié après l'autre. Il regrette qu'il a crié après. Rabbi Nachman, ça veut dire qu'on est vraiment pris en charge. Sinon, on s'en foutrait. Sinon, on s'en foutrait. Moi, je m'en fous. Bah, voilà, Rabbi Nachman, il a dit que Dieu préserve. Je vous ai enlevé les pieds et les mains de vos fautes. Vous n'allez plus pouvoir profiter de vos fautes. Vous allez en souffrir. Vous allez les regretter. Elles vont être amères, amères. Amères. Il a parlé d'amertume. Ouais. Allez, vas-y, continue. Donc, c'est un sujet qui plaît. Ben, c'est parce que là, on est tous concernés. Hein. Le sujet est chaud. Et là, le sujet est d'actualité. D'actualité. Allez, continue, Nathan. Alors ça s'appelle le Kvod Melachim. C'est qu'on a, soi-disant, l'honneur royal, Kaviyachol. On se croit tous des rois qu'on veut mettre notre pied, nos mains, partout. Rabbeinu nous dit que pour réparer ça, il faut avoir du kvod Eloki. Il faut avoir de l'honneur divin. C'est quoi l'honneur divin? C'est bon. Est-ce que quelqu'un voit Dieu là? On ne voit pas Dieu. Si verrait Dieu, c'est un ange. Voilà. Bon, dans ce monde-ci, on ne peut pas voir Dieu. D'accord? On ne voit pas Dieu. Même Abraham Avinu, quand il a cherché Dieu, il a voulu prendre quelque chose, que Dieu s'habille sur quelque chose, qu'on puisse le voir.
Alors il a cherché le ciel, après le soleil, la lune, les étoiles. Il s'est dit peut-être Dieu sait ça, peut-être Dieu sait ça. Jusqu'à qu'il a compris qu'en fait Dieu sait tout et rien. Dieu il est partout et nulle part. Pourquoi ? Parce que ce monde-ci, il cache en vérité la lumière. Dieu lui-même. Et de là, on apprend quelque chose, que Dieu est caché. Dieu est caché. Il se cache. C'est ça la beauté de Dieu, c'est que Dieu se cache. C'est une beauté. C'est une grande anava aussi. Bien sûr. Tu t'imagines que tu crées, on va dire, une voiture. Imagine-toi, tu rentres dans ta maison. Tu rentres dans ta maison, personne ne sait que t'es le bas à l'abeille. Tout le monde vient, il vient, il casse, il se bat. Il dort, il mange, il s'habille. Et il vient, il te voit, il dit hey, mais pousse-toi, toi, t'es le patron, c'est ta maison. Et toi, pendant des années, tu dis excuse-moi. Tu te fais frapper, tu te fais insulter. Tu laves le par terre. Ouais, c'est pas la bête, mais qu'est-ce qui nous saoule. Et tout te donner gratuit. Les mecs, ils viennent, ils mangent, ils dorment, tout. Et tu dis jamais un mot. Et d'où tu vas trouver un bal à bête comme ça. Tu t'excuses, mais. Tu vas trouver un maître de maison comme ça. Et ben, c'est ça, Dieu. Ben, c'est comme un père avec ses enfants. Non, pas tous les pères. Il y avait des pères qui ont sacrifié leur vie pour leurs enfants, tout ça, et qu'il n'y a pas eu les enfants de la reconnaissance de ce qu'il a fait le père. Ben oui, Dieu il est comme ça. Dieu il est comme ça. Mais je crois qu'il va nous pardonner, je crois. Il nous a déjà pardonné. c'est même s'il a même fait pas du mal, c'est moi qui nous aide. Mm-hmm. Il voit même pas ça comme du mal. Ouais. Mais nous, nous. Pour revenir à notre histoire de mardi dernier. Exact. Qu'il a marié l'autre avec. Ouais. Ouais. Et il nous a quand même. Ça, il nous a foudroyé. Ouais. Ouais. Ça veut dire que tu peux parler plus bas. Tu peux aller monter, descendre. On est toujours avec lui. Mais qu'est-ce qu'on apprend de tout ça en vérité ? De cette humilité d'Akadosh Baruch Hu. C'est que Akadosh Baruch Hu, il est Aïn, il est rien. Et c'est ça son honneur. Son honneur, c'est d'être rien. Abinu, il dit, toute ta vie, t'as été Kvod Melachim. T'as cherché l'honneur royal. Pour réparer ça, il faut que tu aies l'honneur divin. L'honneur divin, c'est de te rabaisser comme Dieu. De fermer ta bouche, faire descendre ta tête et de dire ok à tout ce qui se passe. De se taire complètement. Quand tu fais ça, tu répares, et c'est pas que tu répares. D'abord, tu arrives à contrôler tout ça. Tu contrôles tout. Mais mis à part ça, tu arrives à connaître combien toi-même t'es important. Mais tu vas connaître ton âme. Et ça, un homme qui se rabaisse, il connaît sa grandeur. On dit, c'est qui se rabaisse ? C'est quelqu'un qui est grand, parce qu'un rabaissé ne peut pas se rabaisser. Donc c'est qui se rabaisse ? Quelqu'un qui est grand. T'as compris ? Et Fashtamotse Gdulato, Shamatamotse Gdulato. Là, quelqu'un qui se rabaisse, c'est quelqu'un qui est grand. Donc quelqu'un qui sait se rabaisser, il va arriver à faire Azamra, le vrai Azamra. De savoir faire les choses importantes qu'il a fait. Et là, quand le roi il va lui taper à la porte, il va se dire, mais attends, mais je te connais, toi. Il dit, comment tu me connais ? Et parce que nous deux, on est les mêmes. On est les mêmes. Moi, c'est Dieu. Et je vois que tu te conduis comme moi. Tu te rabaisses. Tu dis amen à tout. Tu dis rien, je dis rien. Alors toi, t'es comme moi, toi. Alors viens, nous deux, on va nous faire le travail, nous deux. Suis-moi. Et Dieu, il prend nous, les gens, les clochards. Il va marcher main à main. Et il y en a beaucoup, peut-être. Ouais, j'espère qu'il y en a beaucoup. Parce que je ne crois pas qu'il y en a beaucoup, des gens comme ça. Non, des gens qui des gens se rabaisser. Ouais, dans les clochards. Les aussi, clochards, ouais. Aussi de se rabaisser, c'est... Oui. Pas dans les gens qui ont beaucoup d'argent. Non, ça c'est très dur. Ouais. Ouais, aussi de mais dans les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, il y a moins de vanité et moins de... Exact, c'est plus facile. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Non, c'est de se rabaisser, c'est-à-dire plein de prénoms. Normalement, quand on parle de se rabaisser, c'est surtout sur ce qu'on a dit. D'abord, c'est de ne pas croire que c'est toi le maître du monde. Ouais. D'accord ? Quand, par exemple... Accepter une situation. Quand tu vas à Selkoum, tu prends un numéro, tu attends pendant 2h30 le talk, et qu'il y a un mec qui vient juste il y a 5 minutes et il t'a passé. Tu vas exploser, tu vas lui aller, tu vas lui donner des coups de poing. Eh ben, ça c'est quoi de Melachim? Non, moi j'attends.
C'est, attends, moi. C'est le patron qui t'a envoyé pour voir tes réactions. Ah ouais. Si parce que rien, j'espère qu'il y en a qui va arriver. Là, c'est super, le texte même. J'espère qu'il va venir, mec. Il y en a des mecs comme ça. Attends, j'attends. Faut que je craque. On est malade. Et ça, c'est que votre Melachim. Et ben toi. Non, non, mais je rigole moi quand je dis ça. Et Dieu, il veut qu'on soit Kvod Elohim. C'est-à-dire, comme Dieu, il est éteint, on ne le voit pas, et c'est lui le maître, nous aussi. Nous aussi, ça doit être pareil. Il peut se passer ce qui se passe. On peut, et c'est ça l'histoire de l'humiliation. C'est quoi l'histoire de l'humiliation? Rabbeinu, il dit, comment on a ce mérite d'avoir ce Kvod-là? Le vrai Kvod, le Kvod divin. Comment on a ce mérite-là? Il dit, Rabbeinu, c'est en faisant toujours tchouva. En se faisant humilier, tu veux dire? Attends, c'est dans, en faisant tchouva. Tchouva, ça veut dire tous les jours tu te lèves, tu fais tchouva. Tchouva. Toujours tu fais tchouva. Tout le temps. Chaque fois, chaque là, fois. C'est vrai, vrai, là, c'est vrai, vrai, là. Tchouva. Toujours. Il faut que tout de suite tu fasses tchouva. Tu te remets en question. Faut tout de suite, pas attendre 20 ans. Tout de suite. Il faut dire, attends, là j'ai déconné dans quelque chose. Là il y a quelque chose qui colle pas, ça marche pas avec ce qu'on me demande. Et si tu fais tchouva tout de suite, alors ça vient. Tu redonnes tout de suite là. C'est là, c'est un regard. Je l'ai mis sur ma tête, je te la redonne. Pardon, excuse-moi, je me suis trompé. Ça, j'arrive pas ça. Pour moi, c'est très difficile. La couronne, faut tout de suite la remettre sur la tête. On est des hommes. Ça dépend avec qui, mais avec certaines personnes. Avec ma femme, j'arrive pas. C'est sérieux, hein. C'est plus dur. Mais. Moi, normalement, je dois dire excuse-moi, j'ai fait une carrière, machin, tout ça. Ben, il faut y arriver. Bah oui. C'est sûr, doucement. On a pris la couronne. On prend la couronne. D'accord, on veut être plus royaliste que le roi, donc on prend le cavode. On prend le cavode. Mais si tu prends la couronne, même dans l'instant même, ou le jour d'après, rappelle-toi tout ce qu'on a parlé, c'est d'avoir des remazines de ce que je te dis. Pour moi, j'ai passé ce que j'ai passé, et la couronne, à un moment tu dis non, là je me suis trompé, je l'ai mis sur ma tête, mais je m'excuse tout de suite, tiens, je te redonne la couronne, et tu remets la couronne d'Hachem. C'est fini, ça n'existe plus, ça a été remis la couronne au roi. Oui, oui, c'est bien. C'est fini, c'est ça la tchouva. Oui. La tchouva, c'est de remettre immédiat, le plus vite possible. Le plus vite on s'en sort, et le mieux on a enlevé le cabot. Le plus vite pour t'aperçois que t'as fait une bêtise. Non, mais toi, tu t'en aperçois. Non, mais même. Et t'as l'orgueil, tu veux pas t'en laisser. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Mais c'est ça la difficulté de la tchouva. La tchouva, c'est qu'il faut jeter notre sérel. Si on jette pas notre. C'est pas le sérel, mais non, mon frère, t'as trop d'orgueil, tu veux pas. Et bah alors, faut jeter l'orgueil. Moi, je vais me rabaisser devant lui, moi. T'es malade. Et bah, faut jeter l'orgueil. Non, mais Raphaël, quand il est venu, il a été foudroyé. Tu sais que ça. On en discute. Et réaliser la chose. Il s'est passé un truc avec Raphaël, toi, moi et lui, on était là. Bah, 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 des étincelles, bah, 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 il est parti, machin. Et Raphaël a été très touché. Il en a parlé, machin. Bah, 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 mais qu'est-ce qu'on ça, tout ça. Et comme lui, il lui a téléphoné. Ah, il a pleuré. Tu vois, j'ai la chair de poule, hein, ça me. Il est. Je l'ai déstabilisé complètement. Bah oui. Mais moi aussi. Non, mais c'est tu vois le truc que ça fait. Mais quand tu lui as téléphoné, il était complètement. Il était en pleurs. Alors il a dit alors là. Alors là, c'est un grand sadique. Ah ouais, il a dit ça. Arrête de mettre la main devant la main. Mais il a dit ça, il a dit ça. Il a dit alors là. Je m'en ai complètement. Il a dit. La façon que ça s'est inversé tout. Bien sûr. Non, parce que vous savez pas, non, mais puisqu'on a ça, on vous coupera cette séquence-là. Mais t'as souffert. Entre parenthèses, comment j'ai souffert le martyr, moi, sur 150 mètres? Ah oui? Ah oui? Écoute-moi, Gérard, tu travailles, on fait Avodat Hashem. On essaie toute la journée de demander à Hashem pardon pour ça, pardon pour ça, pardon pour ça, pardon. Et le Yetzer arrive, il te met une balayette. Là où tu t'y attends pas. Bah oui, je l'ai dit, il sera. Écoute-moi bien, il y a une heure avant, j'étais en nid de doute et je dis à Seb, je t'en supplie. Que même avec tout ce qui s'est passé, que je me la ferme, ne me fais pas, je t'en supplie, que je fasse ni honte à personne et ni que je fasse rien. Comme je t'ai raconté, t'es bordé, t'as dit c'est exactement ça qui arrive dans notre vie. On demande quelque chose, t'es frais, hein, c'est comme ça quand je te dis j'étais frais, j'étais bien, je suis arrivé bien, j'étais bessimbra, j'étais bien, j'étais calme, j'étais reposé. Une heure de j'étais. C'est comment t'es lavé. Tu dis, je suis sûr que ça se passera pas. Tac, la minute qui suit, ça s'est passé. Mais c'est quoi ça?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a travaillé, et heureusement qu'on a mon, on a eu beau des doutes. Non, mais si tu n'aurais pas demandé dans les boyaux, tu ne t'aurais pas amené. De quoi? HM. Ah, il n'y aurait pas eu cette épreuve. Pas du tout. Parce que tu l'as demandé, HM a dit, ah, je suis content, Itzrak, tu me demandes ça. Allez, vas-y, on va faire cette épreuve. Maintenant, je te lis, je te mets dedans. Et le tirage, il te fait oublier d'un coup que c'est. Donc là, il met face à HM devant ma vue, et il me le remet après. Mais HM, il revient quand même. Après, parce que tu sais que ça n'existe pas, ça, Gérard. Écoute-moi bien, Gérard, que vous compreniez bien la chose. Ça n'existe pas, ça, il y a 10 ans en avant, en arrière. Ça n'existe pas, ça. Tellement la gave, elle est grande. C'est un travail de longue haleine. Alors on craque dans la Vodata HM. On craque. Bah, vaut mieux ça que qu'on se coupe la barbe et les péotes quand même. D'accord? Vaut mieux ça que des fois il y a un petit coup d'étincelle. Vaut mieux obtenir un coup d'étincelle. Mais là, c'est à four, c'est même mieux. Mais la chose qui est valable, c'est quand on remet tout de suite la couronne. Et je te le garantis, je te le jure. Enfin, ça me brise en deux. Des fois, tu dis, mais j'ai pas tort. C'est le combat du Yetzirah et du vrai et du faux et du bon avec et du mauvais. Femme, ça va bien. Ouais, bon, je sais, tu vas me parler de ton dossier après, mais. Moi, mon dossier, c'est plutôt de ce côté-là. Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que plus vite on s'annule et plus vite on est tranquille. Dans la tête, dans le cœur, dans notre âme, dans tout. Après, on se fait charrier. Mais c'est pas de la charia de méchant. Non, c'est de la vraie bonne charia. C'est de la vraie bonne charia. Non, mais il faut comprendre ça. Il faut que ça puisse faire le son. Parce que quand tu as fait ça, ça rentre dans la cervelle, on le voit, et ça peut. Il faut que ça rentre. Et que demain, moi, je prends le téléphone, tu comprends? Ouais. Et même si ça te brise. Parce que si je te dis maintenant que j'ai pas dormi 2 jours, tu me crois? Il faut pas. Est-ce que tu me crois si je te dis que la nuit qui a suivi, pourquoi t'as pas dormi? J'étais contrarié, ça m'a contrarié d'avoir fait ça. Ça m'a contrarié. Je dis, mais c'est pas parce que t'as demandé pardon. Non, ça va pas. Ça, je peux danser des jours et des nuits de ça. Ça, c'est ça la plus grande victoire. Ça, c'est la victoire de tout. Ça. Tu me charges ou quoi? C'est la victoire de tout. Bien sûr. La contrariété, c'est de dire, mais comment on peut se battre pendant pas un mois, pas une semaine, pas un jour, des mois, des semaines, des mois, des années. De combat pour jamais arriver à ça. Pour ne plus jamais arriver à ça. Et puis Tom, voilà, le Yetzirah, il t'attend et puis tu fais, ah ouais, attends, regarde. Je vais te prendre le mec le plus gentil du monde, tu vas le détruire dans tout le monde. Quelle idée. Et ça, j'en ai pas dormi. Même que j'ai dit pardon et tout, j'en ai pas dormi. À la suite, badaille que c'est fini et je fais de tous mes efforts de l'appeler, d'essayer de pour que pas qu'il ait de rancœur, etc. Mais il a aucune rancœur. Lui, quand il l'a dit, c'est terminé, je peux plus. Il a bien parlé. Il a eu des problèmes X temps avec lui. Et là, il m'a épaté. Bah tant mieux. Ah non, lui, il l'a pris. T'as retourné pour montrer cette force de la tchouva. C'est ça le plus. C'est ça la Torah va avant, c'est ça cette Torah. Allez, vas-y, Nathan, continue. C'est que rien, il prend une honte. Et comment tu fais pour réparer une honte? Qu'est-ce que c'est une honte? C'est comme tuer quelqu'un, c'est pire que de l'idolâtrie, a marqué dans la Torah. C'est pire que de faire de l'idolâtrie, c'est pire que de tromper sa femme. C'est pire que de tuer quelqu'un, il y a marqué dans la Torah. De faire honte à quelqu'un en public. C'est pire que ces trois choses-là. Et comment tu fais pour attraper ça? Si tu laisses courir une semaine, 2 semaines, ta gavale prend de la force. Et plus ta gava se renforce, elle se renforce. Tu veux plus lui parler, mais comment t'as réparé ça? Comment tu fais maintenant? Bah, tu as ton Yom Kippour. Et comment tu fais? Eh bah, tu vas dans la synagogue, tu l'embrasses. Ah ouais, c'est la seule chose à faire. Et devant tout le monde, devant 10 hommes. Devant tout le monde, même devant ma mère. C'est la seule façon qu'on puisse faire chouba. Mais c'est raval d'attendre. Ou sinon, attendre le jour de l'an, là, machin. Et tu le vois, exactement. Au jour de l'an. Vas-y Nathan, continue. Vas-y, c'est dommage parce que là vraiment. Mais c'est pas dommage, c'est super. C'est exactement le sujet. Attends, il va finir, t'inquiète pas, il est tôt aujourd'hui, on n'a pas commencé à 23h. Il est tard déjà. Non, il est quoi, 22h30? Ah ouais. Vas-y Nathan. Donc, pour revenir sur ce qu'on avait dit, malheureusement, notre ego, notre. On est trop gonflé, trop énorme, pour pouvoir effacer cette mauvaise chose-là, c'est de savoir s'habiller dans les habits du roi Akadosh Baruch Hu. Comme Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître du monde. Et c'est lui qui fait tout le monde en entier. Et d'un autre côté, on ne le voit pas du tout. Rabbeinu nous demande de devenir Kvod Eloki, d'avoir de l'honneur divin. Ce qu'est l'honneur divin,
de savoir s'effacer complètement. Maintenant, il dira, ben nous, comment on peut arriver à ça? Comment on peut arriver à avoir le kavod de Elohim, d'avoir l'honneur divin? Il dira, ben nous, en faisant tshuva sur tshuva, tout le temps. Ça veut dire quoi, tshuva sur tshuva? Alors là, on va parler du concret. Tshuva sur tshuva, en vérité, les gars, c'est que Dieu, il va nous prendre, il va nous donner un coup de poing. Et on va se remettre, on va donner le même coup de poing, et on va se remettre, on a un autre coup de poing. Et là, on ne sait pas si on se remet ou pas. Alors Rabbeinu, il dit, remets-toi. Et il nous donne un autre coup de poing. Et Rabbeinu, il dit, remets-toi. Mais c'est le même coup de poing. Et c'est le même. C'est le même coup de poing. Tu t'énerves, là. Rabbeinu, il est juste à côté. Mais il te dit toujours, remets. Il te dit, Enyush, remets-toi, tshuva sur tshuva. Comme si c'est la première fois. Et un dixième. Et un millier. Ah bah c'est ça. Et pourquoi? Bah oui, c'est ça. Ça s'appelle d'être un expert dans les montées et d'être un expert dans les descentes. Ça m'énerve. Ça, c'est une chose que j'arrive pas à dire. Ça t'énerve parce que t'as le kvod melachim. Parce que tout dépend de tes mains. Faut toujours aller remettre, mais je te mets jour. C'est parce que soi-disant, c'est toi qui te remets. Il faut s'appeler. Parce que tu crois que c'est toi qui te remets. Mais en fait, c'est pas toi qui te remets. Faut que je sois juste un kiddi. Toi, t'es rien, toi. Faut que je sois vide. On te met à droite, à gauche, on te remue comme un loulav. Toi, t'es rien, toi, tu te sais aller. Une chose. Et c'est dans la journée, tout ça, qui prend tous ces coups de poing. C'est là que. C'est pas tous les 6 mois que tu prends un coup de poing. Dans la journée. Dans la journée, tu prends 20 coups comme bien ça. Bien sûr. Et tu sais pas ce qui se passe, mais on t'a remué complètement. Ouais. Et c'est là où il te dit, Rabbeinu, sois un expert. Tiens-toi correct. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout parce que. Ne t'abandonne pas. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ça m'énerve. Mais, oui, mais c'est ça qui te construit. C'est de ça qu'on parle. C'est ça qui te construit. Mais comment faire pour sortir de cet énervement? C'est pour t'enlever ton honneur royal. C'est une éducation. On voit un enfant qui est trop truc. On le tape, on le fait ça, on le fait des punitions. Tac, jusqu'à qu'il apprend. Jusqu'à qu'on... Dieu lui dit, écoute, tu ne pourras pas te sortir de ton pote Melachim. Tu te crois trop royal. T'es trop. Alors je vais te rabaisser, t'humilier, te rabaisser. Maintenant, deux choses. Si tu reçois le rabaissement, tu dis ok, tu essayes de continuer, là tu es éduqué. Mais si quand je te rabaisse, tu reçois cet rabaissement comme si c'était normal, alors t'as tout perdu. Non, on recommence demain. Ou alors on commence demain. Attends, il abandonnera pas, lui. Ils abandonnent jamais, c'est juste. Ouais, mais c'est ça. On recommence demain. Ouais, non, mais moi je parle de l'homme. Tant que tu t'es pas annulé la situation, il recommence. Il n'y a rien à faire. Et c'est ça notre problème. Notre problème, c'est qu'on a un ego qui est trop grand, trop fort. Rabbeinu, il abandonne jamais. Ouais, mais c'est l'homme. Rabbeinu, il peut pas t'enlever le libre arbitre. Toute la beauté de Rabbeinu, c'est de laisser le choix. C'est ça la beauté de Rabbeinu. De ne pas t'enlever le libre arbitre, on ne va pas te laisser. Il va essayer de te faire à droite, à gauche, il va essayer de faire ce que tu peux. C'est pour ça que des fois, hein, alors il en rajoute pas trop parce qu'il a peur qu'on explose. Il a peur que tu te suicides, oui. Non, il a peur que tu te rebelles. Ouais. T'abandonnes. Non, tu te suicides, hein, que coupes tes papillotes et tu machines, tu en as marre. Il y en a beaucoup. Bien sûr, il y en a. Non. Alors il y va en caressant après. À la douce. Après il te ramène. Après il te ramène. Il reprend, il te remet des carrés. Bon, allez, c'est pas grave, je suis là. Tu fais montrer 2-3 semaines, 4 semaines comme quoi t'es super bien, t'arrives à tout faire et tout ça. Ouais, exact. Et là, Rabbeinu, il te dit, sois un expert aussi dans les montées. Parce que même les montées, c'est même pas à toi, c'est ouais, moi. T'y crois pas, ouais. Ni tu crois pas comme tu dis ça. Bien sûr, c'est ça l'histoire. Tu crois pas, c'est moi qui te mets en haut, alors ne te crois pas, sois un expert dans les montées. Tiens, regarde, balayette. Et après, tu vas chuter, mais alors. Et là, il a dit, sois un expert dans les montées. Allez, relève, KO, il dit, attends, c'est bon, allez, relève-toi. Allez, on recommence. Exact. Et ça, c'est l'humiliation pour qu'on puisse. C'est un bon entraîneur. C'est super. Et ça, mes amis, c'est ça qui te construit alors. C'est pas ça qui te construit, c'est ça qui t'éduque, qui t'enlève le kvod melachim, qui te donne le kvod Eloki, que grâce à ça, t'arrives à t'annuler à Kadosh Baruch Hu. Tu sais qu'il n'y a personne qui subit ça dans le monde. Mais il n'y a personne. On a parlé de ça tout à l'heure. Mais ce n'est pas qu'à part ça. C'est que Dafka, ce mois-ci, comme c'est le travail de ce mois-ci, c'est que ce mois-ci va se passer les choses qui ne vont pas se passer toute l'année. Ah,
qui va t'emmener dans les endroits. Il est avec plus haut là. Il est en train de faire. Il est en train de s'occuper de toi là. Il est en train de faire une causette. Il est pas avec les milliardaires, il est avec nous là. Et là, il est dans les bas-fonds. Ouais. Et là, il est en train de nous faire monter, énorme. Nous faire descendre, exploser. Et nous, on doit juste essayer de ne pas s'éclater. Quand on chute, de ne pas s'exploser. Et quand on monte en haut, de ne pas se... Bah oui, parce que la descente va être terrible. Hein. Ouais. Quand tu montes et que tu crois que tu es arrivé, alors la descente va être encore plus belle. Hein. Voilà. Et c'est ça. C'est ça. T'imagines le mec qui croit qu'il arrive. Nathan, Nathan, chérie, tu vas t'habiller, mon fils, tu vas dormir. Va. Aïe, aïe, aïe. Et c'est d'Afka ce mois-ci que Nathan, Dieu... C'est beau, là, parce que tu nous as fait voir Dieu où il était caché, là. C'est beau. Dieu. C'est Dieu. Et c'est ça, en fait, la beauté. C'est de, pendant ce mois-ci, de voir, d'essayer de comprendre un petit peu les choses. C'est que, on comprend rien. Que Rabbeinu, il t'emmène. Non, mais quand tu le sais, c'est fini, ça y est. C'est en même temps. C'est bien, c'est super. Non, non, ne crois pas ça. Super bien. Même si tu le sais, tu veux... Quand t'es dans l'épreuve, tu oublies tout. Moi, je sais pas comment tu fais. Parce que moi, mon Yetzera, quand je suis en bas, il a une emprise sur moi. C'est pas connu. Qu'est-ce qu'il a dit à Rabbeinu ? Quand t'es dans l'épreuve, ok, ne va pas t'exploser. Que tu t'exploses, d'accord, mais ne va pas t'éclater. Que tu te traînes un peu dans l'épreuve, mais ne va pas t'exploser. Tu comprends plus rien, tu comprends plus rien, mon frère. Ça dépend du degré et de l'intensité de l'épreuve. C'est chacun. C'est comme si. Non, mais il a raison quand même. Quoi ? Rabbeinu nous a appris que quand tu sautes de 400 mètres d'eau, essaye d'atterrir sur tes pieds. Au moins, minimise, casse pas tout. Meurs, mais... Non, douceur. Non, douceur. Ne fais pas des éclats. N'explose pas, reste comme tu es. La fèvre à Kadesha va avoir du mal à te rattraper. Oui, ça, ça, je suis d'accord. C'est ça. Mais malgré tout, il y a des moments où les épreuves sont tellement grandes en intensité et ça te chauffe tellement que tu te brûles. Ouais, c'est d'accord. Brûler au quatrième degré, mais rien y faire. On t'a envoyé du quatrième degré, donc tu vas pas être brûlé au deuxième degré. Ouais, mais essaye après, quand tu vas hurler parce que ça te brûle, essaye de pas trop hurler. Et on ne te plaint pas trop. Les dégâts collatéraux. Pas le dégât, pas le dégât lui-même, le dégât collatéraux. Ça veut dire, après, essaye de pas trop en amplifier, de faire le Hametz. Rabbi Nathan, il dit que le mal qu'on fait après le mal, il est encore plus grave, il te fait plus mal que le mal lui-même. Exactement. C'est le mal que tu te fais, toi. Après le mal, il te fait plus mal que le mal lui-même. Alors, foule en l'air le mal. Ça veut dire tout. Non, ça veut dire faut pas y penser. Essaye d'atténuer les choses. C'est ça d'être expert. Expert dans les montées et dans les descentes. C'est ça l'expert. Moi, j'apprendrai pas ça à une expert. Moi, j'apprendrai ça. Tu connais ton âme. Tu connais ta profondeur. Si tu arrives à contrôler ça. Mais il faut arriver. Oui. C'est pour ça qu'il faut être un expert. C'est ce que ma mère me disait toujours. Si tu arrives à contrôler ta colère. Voilà. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il est arrivé. Tu deviens un ange. C'est ça. Ma mère me dit toujours, parce que je m'étais très coléreux, elle m'a dit, si tu arrives à contrôler ta ténèbre, tu deviens un ange. Un mec qui ne s'énerve pas, un mec qui est là, il prend un coup de poing, merci. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est très dur. Bah oui, je vais vous raconter une petite histoire, mes amis, et avec ça, on va terminer parce que je suis obligé de partir. Quand Rabbi Nathan il était parti en Eretz Israël, il a souffert le martyr et tout, et tout, et tout. Et quand il est arrivé en Turquie, il a souffert quoi ? Il a souffert à Khabar. Et quand il est arrivé en Turquie, il est monté dans un bateau, que c'était un bateau d'armée. Et ils l'ont emmené à l'armée. Et ils ont dit, mais qui tu es ? Où tu vas ? Mais comment, qu'est-ce qui se passe ? Mais comment t'es arrivé ? Il s'est trompé de bateau, le pauvre Rabbi Nathan. Il est arrivé quelque part dans les Grèces. Et il a souffert là-bas. Il était assis dans un endroit et il n'y avait pas d'eau pour boire. Et j'avais plein de galères. Jusqu'à ce que Rabbi Nathan, il était assis dans un coin. On lui a dit, mets-toi là-bas, il tais-toi et on va te laisser tranquille. Il était assis, croupi comme ça, en train de lire. Et il était dans le noir, on ne voyait pas tellement. Et il y a un matelot qui est venu pour faire pipi. Et il a commencé à faire pipi, il a fait pipi sur Rabbi Nathan. Il n'avait pas vu Rabbi Nathan. Et le mec, il fait pipi. Et on raconte que Rabbi Nathan, il n'a même pas levé sa tête pour voir qu'est-ce qu'il faisait pipi. Il était tellement rabaissé, tellement bas, que pour lui, c'était même normal qu'on lui pisse dessus. Et il a dit à Rabbi Nathan que c'est grâce à ça que tu es arrivé à Israël. Parce que tout de suite après, tout s'est bien arrangé. Il a accepté ça. Il a accepté, c'était normal pour lui qu'on lui pisse dessus. Il a accepté. À la colère. Il est arrivé tellement bas qu'il était plus bas que la pisse d'un goy. Il s'est tellement rabaissé, tellement humilié, tellement rien. Ah, incomplet. Mais je pouvais tous pisser sur moi, c'est normal.
C'est normal. Cracher sur moi, j'ai une vie pleure. Vous imaginez comment c'est énorme. C'est énorme. Waouh. On va arriver à tout ça. Mais Zratachem. On va tous arriver à ça. Mais ça, c'est en sachant. Moi, je préfère mourir. Non, tu vas arriver à ça avant de mourir. Les chalons, ils ne disent pas ça, papa. Il vaut mieux qu'on pisse dessus. Non, non. Non, on n'a pas besoin de passer par ça. Je ne suis pas arrivé à ce stade, je m'excuse. Non, mais on n'y arrivera pas. On n'est pas obligé. Ouais, on n'est pas obligé de passer par là. Il suffit juste d'accepter. Non, mais bon, d'accord, mais toi, c'est pas ton maquis. De toute façon, tu ne dois pas y penser à ça, ça va t'angoisser. Non, toi, ton niveau, ça c'est par exemple, par exemple que quand ta femme, tu disputes avec ta femme, tu acceptes ce qu'elle te dit, tu lui dis excuse-moi. Tiens, maintenant, on est passé à ton dossier à toi maintenant. Voilà. C'est pas qu'on arrive là. C'est la Kalachnikov qu'ils ont. Je mets les plans. Je téléphone pas pour dire pardon. Non, mais c'est. Non, mais c'est pas bien arrangé là-dedans. Ça va venir cette année. C'est sûr, ça va venir. Woman, ça va venir. Ça va venir cette année. Mais moi, je parle comme mon cœur parle. Mais bataille. Ouais, mais t'as entendu le début du chiot. Trop dur. Le mais début du chiot, c'est qu'il faut qu'on dise on va y arriver. Ma femme, elle me trompe, tu vas la machiner, te marier avec elle. Non, ça n'existe pas, ça. Non, j'ai pas encore le... cette force. Ouais. Mais ça, y a personne. Non, mais d'abord, ça, on en a parlé la semaine dernière, on a dit qu'il y a personne n'en veut, ça. Il faut qu'un ange, même. Il faut être Dieu, même, je sais pas. Il faut être Dieu. Il faut être Dieu. Il faut être Dieu, c'est tout. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a accepté ça. Le sadique ou le sadique. Le sadique. Alors, ici, on est les cinq. Non, mais rassure-moi, Nathan, quand le tzaddik il est venu parler à Dieu de ça. De quoi? Il lui a dit ouais, prends la femme. Mais Dieu, il le voulait que le tzaddik il lui parle de ça. C'est sûr. Il ne pouvait pas le faire parce qu'il était roi, mais il attendait que quelqu'un vienne le. Parce que lui, il le voulait vraiment, parce que c'est sa nature, Hachem. Il nous aime tellement. C'est pas que le tzaddik il l'a convaincu. Il l'a soi-disant convaincu. Il faut que sache quelque chose, Yitzhak, que c'était pas que envers Dieu. À côté de Dieu, il y avait tous les anges de la justice et du digne. Il fallait aussi à eux aussi leur parler. Faire taire. C'est ce qu'il a fait le tzaddik. Et il y avait Dieu dans l'histoire. Et Dieu, il a dit, écoute, moi je sais l'histoire. Tu me dis, je le fais tout de suite. Mais il y a eux là qu'il faut... Les faire taire. Et faire taire. C'est comme si le marié, il dit, moi j'ai envie de me marier avec cette femme, même quelqu'un d'autre. Mais toute ma famille, toute ma famille ils l'ont tous vu. Et toute ma vie, je vais être humilié. Et bien ce chatran, il vient, il convainc tout le oulam, comme quoi c'est la plus belle, la plus sain qui puisse exister. Ouais. Ah ouais. C'est ça, ben. Est-ce que vous avez compris, mes amis, c'est l'histoire de Elul? C'est que Akadosh Baruch Hu, il veut nous éduquer pour qu'on puisse être par Asbé Shalom humilié, mais humble. D'avoir de l'humilité, et des fois, comme on est tellement têtu et nul de la tête, alors il est obligé de nous faire humilier, ou alors de nous donner un peu de quoi à droite et à gauche. En fait, c'est pour notre bonté, parce qu'il veut nous éduquer. Et c'est pour ça que Rabbeinu dit que toute la vie, il faut être un expert dans les montées, dans les descentes. Parce que toute la vie, Dieu, il va nous faire cet ascenseur. Comment on fait pour être expert, alors? Pour accepter, pour être joyeux? Voilà, on en a parlé. Ça va rester dans le tapis. J'ai pas d'être ça, j'ai pas de conseils. Comment je fais pour être un expert quand tu es en bas, qu'on me frappe et tout? Et pour pas être tombé, pour pas que ça me brise. Alors, dans le Likuta Lachot, il y a écrit deux choses. Première chose, c'est de prier toute la vie sur ça. Deuxième chose, c'est qu'en vérité, toi, jamais tu vas arriver. Ah, d'accord. Carrément. C'est qu'en t'attachant au tzaddik, c'est le tzaddik qui fait ce travail pour toi. Non. Donc, c'est que la prière. Que la tchila. Oui. Ça veut dire. Non, mais je voulais pas le dire parce que vous allez dire ça. Quoi? Parce que chez les Breslev, il y a tendance qu'on dit deux mots. Non, j'ai pas fini. Tout est terminé. Tfila, tzaddik. Alors si c'est ça, on n'a pas besoin de ça. Monsieur, il a raison. Ah oui. C'est un Yehush, il a raison. C'est exactement ce que je voulais dire. Alors j'ai pas besoin. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Alors ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire ça. Mais c'est au moment où t'arrives pas, où tu vois que ça, il y a quelque chose que là tu comprends vraiment que j'ai que Rabbeinu qui peut faire ce travail-là. Et c'est que en comprenant que là, Rabbeinu fait, et là, tout se fait. Et est-ce qu'en priant? Parce que si dès le début, tu dis, je veux prier, il n'y a que le tzaddik, alors pourquoi Rabbeinu nous a dévoilé autant? Oui, mais est-ce que... C'est lui qui t'apprend ça. Oui, mais il faut que tu fasses quelque chose. Écoute, là, il parle d'un mec, ça fait 30 ans qu'il n'arrive pas à acquérir une mida,
Et le mec, il écoutait moi, il dit, alors pourquoi ça me sert à quoi tout ça, si de toute façon c'est Rabbeinu qui va tout faire, et que c'est que Torah et Tfila, et ça dit, alors ferme le livre, j'ai plus rien à voilà, apprendre. Je vais prier toute la journée. Je peux rien accomplir, non, ça me sert à rien, mais c'est exactement ce que je me dis moi. Quand j'ai l'écouté moi, je me dis, mais il me sert à rien ce l'écouté moi, je peux rien accomplir dedans. Ça me sert à quoi? À quoi ça me sert? Je veux pas, je veux accomplir, je veux réussir. Alors toujours on me dit oui, bah, tu fais prière. Mais non, c'est faux. Ce qu'on voilà, il te dit non, c'est pas ça. Tu dois l'étudier, tu dois essayer d'accomplir. Tu dois essayer, tu dois te gagouer, tu dois vouloir, tu dois avoir la volonté. Là, ça fait des peu ou l'autre, là, t'as fait des choses. Déjà, tu as et après, quand tu vois que c'est bloqué, alors là, tu remets les mains, tu rentres en mets HM. Et là, tu dis HM, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, bravo. Et maintenant, le tzadik qui dit ah! J'ai vu que t'as fait ce que t'as pu. Non, viens. Non, mais parce que tu l'as dit, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein? C'est ça tout le truc. C'est pas que j'ai essayé, ça marche pas, bon, allez, c'est pas pour moi, Khazbe Shalom. Non, pas du tout. J'arrive ouais, la porte. Mais si, mais moi je l'ai fait mille fois, ça. Moi aussi, je l'ai fait mille fois. Moi j'ai fermé les portes. J'ai dit, bon, bah, alors ça marche pas, allez, ça y est, vous m'avez saoulé, j'en ai marre. Bémet, là, non. Tu le fais, t'as essayé, ça marche pas. Et là, pas te dire, bon, là, c'est pas pour moi. Non. Ah ben non, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. C'est entre tes mains. Dans le livre de Tfilot, il y a écrit plusieurs fois. C'est dark, c'est très fin. Ouais. Dans la prière du Tikkun HaKlali, on dit Rabbeinu, je suis venu, j'ai fait le Tikkun HaKlali, j'ai mis la pota du Tzaka. Maintenant, c'est le reste. C'est toi le travail. C'est à toi. Ça veut dire, si tu aurais prié déjà, mais qui tu es, toi, Rabbeinu, il va dire maintenant, mais t'as rien foutu. Je peux pas faire le travail pour toi. Viens. Vous voyez, il t'a demandé maintenant. Ouais, casse-toi, fais ce que t'as besoin de faire. Et après, tu reviens chez moi, voilà. Tu me dis, vas-y, j'arrive plus. C'est comme dans le tag, dans ce que tu fais. Ça, il y a des gens qui font la lettre. On a répondu, Nathan. On a répondu. Nous, on fait juste les formes. On a répondu à ma question. C'est ça d'être expert. C'est ça l'expert. C'est de savoir où il doit aller et où il doit s'arrêter. Et qui reprend le. Comment il monte et comment il descend. Expert dans l'allée, la montée, expert dans la chute. Comment descendre pour pas s'exploser la gueule et comment monter pour pas s'imploser. Exactement ça, l'expert. L'expert, c'est de savoir. J'arrive plus, ben voilà, là je sais que j'ai plus réussi. Et je me mens pas. Je suis un expert, je me connais dans mon âme. Là je sais que c'est bon. Là je suis arrivé à mon sommet. Là maintenant j'ai besoin de Rabbeinu. Rabbeinu, voilà, au secours, ouvre-moi la porte. C'est terminé, c'est plus pour moi. Je peux plus. Après, tu vas redescendre et tu vas remonter un peu plus haut par tes propres forces. Et là, tu vas avoir encore une porte qui va être bloquée. Mais tu es plus haut que la dernière fois. Là, tu dis, ah, Rabbeinu, c'est plus bon. Mais là, c'est encore une grande but. C'est une grande leçon d'humilité parce qu'à chaque fois, tu vois que tu as besoin de Rabbi Nachman à chaque fois. Donc, tu ne peux pas te suffire à toi. Mais même quand tu es en bas, c'est comme ça. Quand tu es en bas, un homme, il essaie de soi-disant de se remettre comme il faut et tout ça. Mais il voit qu'il ne peut plus bouger. Il est exposé, il ne peut plus bouger. Il n'en peut plus. Là, tu dis, Rabbeinu. Il faut quelqu'un qui mette là. Mais moi, des fois, tu sais, quand je suis comme ça, j'ai là une grande colère. Ça veut dire que je peux plus trouver ça. Ça, c'est le kvod de la rime. Oui. Il supporte pas ce matzav. Ah, oui. Mais moi, je suis un riche, j'ai tout ce que j'ai besoin. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis paralysé. Mais qu'est-ce que tu m'as fait là? C'est kvod de la rime. C'est une baffe, tais-toi. Et comment tu fais pour le passer là quand t'es comme ça et que tu trouves même plus Rabbeinu parce que t'es en colère en fin de compte avec lui? Tu dois essayer à penser à Dieu. Comme quoi Dieu, c'est le monde, Dieu, on ne voit même pas. Tu penses à crier ou tu penses à Rabbi Nathan qui on lui a pissé dessus. Exact. Et qu'il n'a même pas regardé ce qui lui a fait ça parce que c'est tellement. Wow. Parce que tu vois, ce qu'on a étudié là, c'est rentré dans ta tête. Donc, machin. Et quand tu arrives à t'énerver, tu te rappelles. Tout. De... Ouais. Non, et tu te rappelles si tu veux contrôler de ce qu'on a étudié là. Ouais. Parce que si on n'avait pas étudié, moi je veux dire, bon, je n'ai pas besoin de ce cours-là, ce que vous avez dit tout à l'heure. Non. Il faut étudier ça. Voilà, c'est sûr. Beau chien. Très beau. Que Dieu puisse nous aider, que tout ce qu'on a parlé, qu'on puisse le mettre dans le concret, Bezrat Hashem. En application. En application et en s'attachant au tzaddik. Qu'on puisse mériter de savoir où sont nos limites, où on doit plaire à Beno, où on doit dire, travailler. On peut dire à Dieu et à tout ça que personne pisse sur un juif. Bien sûr. Que ça n'arrive plus. Non. Que tout se passe que en bien. Amen. Tout. Voilà, c'est ça. Sans galère, sans problème, sans rien. Tout en bien. Toutes les situations. Ça suffit. On a trop galéré. Voilà, c'est ça.